Hey, coucou! Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Ben voilà, là on est le 27 mai 2023. Et on va se faire une plongée avec Stéphane, qui est là que pour 2 jours. Et je lui propose de l'emmener à Cerbère. Là où il y a plein de poissons. On a une très belle couleur d'eau. Donc Cerbère, c'est dans 66 et Pyrénées-Orientales. On peut voir que l'eau est à 21 degrés, il fait très bon. On a quand même les combis. Et que Stéphane, c'est la première fois qu'il chausse des palmes. Ça va être sa première expérience. Voilà, le premier banc de poissons. Magique et magnifique. La dorade. Avec une belle musique douce pour nous accompagner. Donc voilà, j'avais dit à Stéphane de nager par-dessus moi et que moi j'aille au fond de l'eau. Pour qu'on puisse nous voir tous les deux. Avec cette jolie musique relaxante que nous on écoute directement avec la mer. Donc là, on peut voir les jambes de Stéphane qui fléchissent un peu. Je lui ai demandé de... Je lui ai expliqué de comment on fait pour palmer. Mais après, ça vient pas automatiquement. Hein. C'est avec la pratique, à force de fréquenter le milieu, on s'adapte. Voilà, donc je ne connais pas du tout Stéphane dans le milieu aquatique. Donc c'est sûr que je lui demande s'il va bien. S'il n'a pas froid. Et puis là, on va rencontrer une sorte de méduse, mais c'est une esquisse, on va dire. Il n'y a aucune tentacule, il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste le cartilage, on va dire. Et observer si Stéphane va avoir peur de... Parce que si on en voit un, on va en découvrir plusieurs. Observer le comportement de la personne, si elle panique ou pas. Donc là, on en voit 2 déjà. Donc si on en voit au tout début, ça veut dire qu'après, il va y en avoir plein. On a vraiment une très belle mer. Très beau ciel. On va se régaler avec ces petits poissons là, tout jolis. Ça fera un excellent souvenir à Stéphane de ce beau moment de partage, de son enthousiasme aussi à venir nager
voit les reflets lumineux dans l'eau, c'est très très beau. Ah voilà, encore un petit silicone. Ça a vraiment une texture de silicone. Voilà, Stéphane va toucher l'ovni. Juste voir s'il paniquait ou pas. Et apparemment pas du tout. Donc on va continuer notre promenade dans ces fonds marins apaisants. Relaxant. Les algues, j'appelle ça la moquette. C'est ma moquette préférée, les algues. Encore de la silicone. Voilà, Stéphane prend la silicone dans sa main et ça se passe très bien. Donc on peut continuer notre balade tranquille. Voilà, Stéphane continue tranquille, détendu à côté de moi, c'est génial. Et là, un banc de poissons magique. Je vais aller nager avec eux. Ils ont une super couleur avec un peu de jaune orangé. C'est sûr que quand tu vas dedans, il s'écarte. Hein. Et... Je demande à Stéphane si ça va bien. Il regarde où est la plage.
Avec le beau soleil, les cartilages, le silicone, et Stéphane évite. Voilà, Stéphane est bien détendu. Petit poisson. Ces rochers avec ces petites algues, ce petit duvet là, orangé, vert orangé. Et ces couloirs que j'aime bien prendre et plonger là. Hop! À Stéphane que je vais plonger. Mon jeu favori, aller dans les couloirs au fond de l'eau. Toujours rester ensemble. Savoir si ça va bien, s'il fait pas trop froid, s'il n'y a pas de crampe. Avec ses reflets, on est bercé en permanence dans l'eau. Toujours à l'affût de toutes ces couleurs, les beaux poissons là, c'est des mulets. Ces beaux rochers au fond de l'eau. Ça, c'est pour amarrer les bouées. La petite corde qu'on a vue là. Parce qu'en fait, en plein été, en pleine saison, il y a des pancartes pour illustrer les espèces qu'on voit dans l'eau. Un petit couloir pour moi.
Vraiment beau, toutes ces formes qu'on voit sous l'eau. Voilà, des fois il y a de la buée dans le masque. Et des fois Stéphane il se prend une tasse à cause du tuba. L'eau qui rentre par le tuba parce que quand on n'est pas habitué, on ne sait pas quelle distance fait le tuba par rapport aux vagues. Et ça s'apprend avec le temps, avec la pratique. C'est super, Stéphane est très observateur. Il se débrouille très bien avec les palmes. On voit que là, les genoux sont bien maintenus et que ça travaille au niveau des hanches et des chevilles. Donc c'est très bien. Très bon palmage. Et là, on arrive à un cul-de-sac. Instant pour se poser et repartir. Petit poisson. C'est super de nager avec eux. Voilà, Stéphane se débrouille très très bien. Bravo Stéphane! Moi j'adore ce duvet là, orange et vert. Super beau. Merveilleux pour mes yeux. Vous touchez, c'est super doux.
J'adore ces petites micro-particules qui brillent. Et tous ces poissons. Là, on voit qu'il y a des vagues un peu. Ça mousse un peu. Il n'y a pas de profondeur, donc on doit faire attention aux genoux. Mais le palmage est parfait là, hein. Super. Ça part bien de la hanche, c'est génial. Stéphane a bien écouté ce que je lui ai dit, c'est super. Se refaire un petit couloir tranquillou. Et Stéphane n'est plus avec moi, il est devant et il palme. Et il palme et il palme. Voyez vos poissons. Une tasse, ça bon la tasse. Ah, je vois que Stéphane est motivé pour rentrer.
qu'il y a de méditation, ces poissons, c'est royal. On voit que ça palme bien devant là. Et je me dis que Stéphane doit avoir froid. Hop, une tasse. Apprendre à équilibrer sa tête dans l'eau avec les vagues, à les sentir et à suivre le mouvement de l'eau afin que la vague ne rentre pas dans le tuba. C'est tout un apprentissage, la mer, savoir l'écouter, se laisser bercer par elle. Là, Stéphane, il est émerveillé par quelque chose. C'est super beau à voir. J'espère que tu t'es régalé, Stéphane. J'espère que tu t'en souviendras de cette balade. Aquatique. On se rapproche du bord. Petit poisson qui mange. Et la moquette, c'est la moquette verte. Verte et soyeuse. Encore qui se manifeste. Petit poisson à la surface. Donc là, je vais proposer à Stéphane de se filmer lui-même. Il y a un souvenir de Cerbère. Hop, la tasse. Pas génial de se voir. De se voir dans la grande bleue nager. Voilà, et beau souvenir du sud, où il fait bon vivre. Et moi, j'ai attrapé de la gélate derrière pour montrer au papa de Stéphane et puis à André aussi ce qu'on peut trouver dans l'eau, ce qui est inoffensif.
Voilà, un moment de régal et de partage. Une première fois pour Stéphane. Il s'est très bien débrouillé avec les palmes. Bravo! Belle balade. Voir la plage de Cerbère, les petits galets. On enlève les palmes et on sort de l'eau. Voilà, j'appelle ça des gélates, hein, de la gélatine de... C'est les gélatineux, les méduses, mais... Donc... C'est un début de méduse, on va dire. Voilà, je montre ça à Armando, qui découvre un peu le milieu... marin. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans l'eau? Et je lui dis qu'il peut même le mettre sur ses lèvres pour voir la qualité de la douceur de cette texture. C'est impressionnant. La douceur. Et c'est vrai que les lèvres, c'est là où on peut très très bien sentir la douceur des choses. Et on va les emmener à André pour qu'il voie un peu ce que c'est. On dirait vraiment comme une... Des seins en silicone, comme si on pouvait le mettre, c'est ce que les femmes peuvent se mettre sous la poitrine, quoi. C'est impressionnant la texture. Voilà, des bisous!